Il suffirait de voir un jour s'élever dans une prière le cœur de trois hommes éperdus d'amour pour changer la face de la terre. Soup too? No, I just take a coffee. Just a coffee? Okay. Mais le premier qu'on a rencontré, Hollywood, qui chantait des chants gospel, et puis qui nous disait que pour lui, on avait fait son Noël, vraiment déjà d'être là, ça m'avait beaucoup touché. Hey Lord, if it don't miss, that train don't miss, that train don't miss, that train time, gotta be ready when you call your name. I've been standing at the station. Well, we'll just see what the winter's gonna bring. Yeah. Puis j'ai pas mangé depuis trois jours, et puis là, c'était le flot de pleurs, et puis juste pouvoir être là, puis l'écouter ou poser notre main sur son épaule. Et puis... Father Pop, ça fait trois ans qu'on fait ça. Vous avez été notre inspiration il y a trois ans. Les jeunes, vous nous aviez dit. Venez pas ma roulotte, allez voir les itinérants. On vous en remercie beaucoup. Vous êtes bienvenue et je suis très content que vous avez accepté ce défi. C'est un défi qui est difficile. C'est de faire des petites choses comme on fait, des petites choses, mais de les faire grandement. Et c'est ça qui fait que notre mission, elle est belle. J'ai senti, comme j'ai vu dans chaque personne, une joie que ni l'argent ni le succès à l'université ou n'importe où peut le faire naître. C'est comme un genre de joie de se retrouver dans le service des autres. Les priorités changent tout d'un coup quand on est en contact avec des gens qui ont d'autres sortes de difficultés. Ce que je trouve magnifique, c'est la progression qu'il y a depuis le début. Autant auprès des itinérants là-bas qu'il y en a qui nous reconnaissent maintenant, puis qui nous jasent ça, puis qui sont très contents de nous voir à toutes les fois. Mais autant dans le groupe ici, il y a eu beaucoup de changements à travers les gens qui viennent. Au début, on avait commencé avec trois parcours, maintenant on est rendu à cinq parcours. Il y a une belle solidarité, il y a une belle homogénéité qui s'est passée dans le groupe. Ça donne beaucoup d'espérance de voir justement tout ce groupe-là, ces gens qui, de plus en plus, sont prêts à s'impliquer pour essayer de faire du bien, puis de voir que ça fait vraiment du bien aux gens quand on arrive là-bas. C'est un beau message d'espérance. Cemetery. My home is a cemetery, a resting place for the skulls and bones. An ugly day of war and all the after effects and meaningless destruction. Years later, the war is over for the ones who survived that day. On voulait plus, comme on disait, que nos gestes. Parle plus que nos mots et nos paroles. Parce que le fait que vous passez puis que vous amenez la nourriture, c'est une chose vraiment non seulement essentielle, mais agréable à recevoir. Parce que c'est pas toutes les gens qui pensent aux autres. Donc, je crois que vous devriez continuer parce qu'on va en rajouter à l'heure.